La peinture en plein air, c'est pas difficile, malgré tout ce que vous pensez, tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez entendu, mais surtout par rapport à toutes vos craintes et toutes vos peurs. Alors, je vais vous donner plein d'astuces pour rendre la peinture en plein air plus facile et à votre portée. Tout d'abord, il y a la météo, le temps. C'est certain que, je vous dirais, le premier ennemi du peintre en plein air, c'est le vent. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de vent pour l'instant, mais il va falloir que je me dépêche parce que vers midi, 1h, le vent ici, il souffle très fort. Donc, je vais me dépêcher pour réaliser ce petit tableau-là devant vous. Ça va être aussi une démonstration. Mais voilà, donc c'est sûr, la météo, ça se prévoit. Vous regardez le temps qu'il va faire et puis vous allez pouvoir planifier votre peinture en plein air au moment où la météo sera la plus favorable. Ça, c'est la première chose qui est importante. Ensuite de ça, l'équipement. Non, c'est pas vrai qu'il faut beaucoup d'équipement, que c'est lourd, que c'est encombrant. Moi, j'ai un équipement minimaliste. J'ai très peu de choses. Si ce n'était que je dois apporter aussi du matériel vidéo pour faire les tournages, ça serait vraiment hyper léger, simple et facile à installer aussi et très rapide. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais emporter aujourd'hui. Donc d'abord, je vais prendre un sac. Un grand sac. Moi, j'aime ça, le sac d'épicerie jetable, vous voyez. Dedans, je vais placer ce que j'ai de plus gros. Mon trépied, voici. Mon trépied en aluminium. Tout à fait ordinaire. Vous trouvez ça sur Amazon. Ça coûte pas cher. C'est léger. Très, très léger. Facile à transporter. C'est une plume. Je le mets dans le sac. Ensuite de ça, une palette. Vous pouvez prendre une palette, la mettre sur vos genoux. Moi, j'aime bien avoir une palette en plexiglas. Vous voyez, c'est moi qui l'ai fabriquée. C'est aussi simple que ça. Bon, je l'ai renforcé autour avec des baguettes en aluminium. C'est fait maison. Mais vous pourriez très bien avoir juste du plexiglas. Un morceau de contreplaqué, ça fait aussi l'affaire. Le tout, c'est de faire une petite encoche ici qui va vous permettre de le placer sur les pieds de votre trépied, de votre chevalet. Voilà, donc ça, je le mets là-dedans. Au niveau du gros matériel, c'est tout. Il y a la toile. Bon, ben, voilà, un carton entoilé. Il vaut mieux un carton entoilé qu'une toile montée sur châssis. Parce que vous n'aurez pas, on va dire, la transparence de la toile avec le soleil. Je vais tirer la chaise. Je vais poser sur la chaise ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de gros à mettre là-dedans? Ben, un rouleau de papier essuie-tout ou des chiffons, peu importe. Un petit sac plastique comme ça pour mettre mes déchets. De papier essuie-tout avec une pince. Regardez la belle pince que j'ai ici. Une petite pince. Ça, c'est des pinces pour attacher les serviettes de plage sur les chaises de plage. Là, hop, ça c'est fait. Un rouleau de ruban adhésif pour le bricolage, là, vous savez, ruban à masquer. À quoi ça va servir? J'en sais rien. Je l'aurai au cas où. Moi, j'aime bien aussi apporter. Ah, c'est pas nécessaire pour peindre. Hein. Un couteau suisse. J'ai toujours mon couteau suisse avec moi. Pourquoi? Ben, parce que des fois, le chevalet peut avoir un petit problème. Mais c'est surtout, parce que, excusez-moi, je transpire. Je fais de la vidéo, hein. Je vous tourne cette vidéo. Donc, je pourrais très bien avoir un problème de trépied vidéo ou autre. Donc, ça me permet de parer à beaucoup d'éventualités. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, c'est sûr. Ça, c'est vraiment plus peut-être par rapport à la vidéo. Je vais le mettre dans un coffre. J'aime bien avoir un ordinaire coffre de pêche. Vous voyez, regardez, avec tout petit, pas besoin que ce soit gros, là, ça coûte quasiment rien. Fait que là-dedans, je vais mettre mon couteau suisse dans le petit compartiment ici. Alors, pardon, je vais mettre mon rouleau d'essuie-tout dedans parce qu'il va me permettre d'absorber si des fois mon diluant à peinture il coule. Vu que je vais peindre à l'huile, j'ai du diluant à peinture dans un pot de confiture de framboise. Ça pourrait être une autre confiture, ça fonctionne aussi. Je remets mon petit compartiment dessus et là j'ai mes tubes de peinture. Donc voilà, un couteau pour faire les mélanges sur la palette et les pinceaux. Les pinceaux sont trop longs pour aller là, je suis obligé de les mettre en diagonale en dessous. Voilà. Je ferme mon coffre. J'ai mon sac, j'ai mon coffre. Bien sûr, ne pas oublier un chapeau ou une casquette. Prévoyez une chaise de pique-nique. J'avais pris des petites notes. Un parasol si vous voulez être à l'ombre. De quoi boire, de quoi grignoter un petit morceau, casser la croûte. Et puis voilà, un fruit, une pomme, une orange, une clémentine, une banane, ce que vous voulez. Puis voilà, là, on est vraiment prêt à partir. J'ai l'impression de partir à la pêche. Non, je m'en vais faire de la peinture. Si pendant que vous peignez dehors, vous avez un petit peu de difficultés avec vos mélanges de couleurs, eh bien, je vous invite à télécharger ces 6 fiches guides pour vos mélanges de couleurs que vous pouvez imprimer et emporter partout lorsque vous peignez dehors. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description pour les télécharger gratuitement. La peur de ne pas trouver le bon emplacement. Bon, le bon emplacement, c'est d'abord un endroit où on va être bien installé, soit à l'ombre. Moi, ici, je suis au soleil parce qu'il ne fait pas si chaud que ça ici en ce moment. Donc, je suis bien au soleil. Mais s'il faut, on se met à l'ombre. J'ai de l'ombre juste à côté ici. Je pourrais me mettre là, il y a de l'ombre. Donc, je préfère être au soleil aujourd'hui, à l'abri du vent. Donc là, il suffit de voir d'où vient le vent, puis on va se placer à un endroit où on sera à l'abri du vent.
un endroit pas trop passant, il y aura toujours du monde qui va passer, mais généralement les gens sont gentils, nous laissent tranquilles. Et surtout ce qu'il faut faire, eh bien, si possible, c'est explorer, visiter, aller voir différents emplacements possibles. On promène avec notre petit téléphone ou appareil photo, on dit ah ben tiens ici un coin intéressant, je pense que ce sujet serait intéressant aussi, je pourrais m'installer là, tu sais, on explore, ah oui ça c'est exploitable. During lesson? Yes, oh, yeah. Okay. Nice. Les Espagnols, les Mexicains ne nous dérangent pas, mais les Américains oui. Voilà, ma couche de fond est sèche, alors vraiment bien sèche, ça a séché très très vite, je vais pouvoir faire mon dessin. D'où je suis, je vais prendre la photo. Alors vous pouvez peindre assis, peindre debout, peu importe, mais une fois qu'on a choisi notre position, on ne bouge plus après. C'est bien, si vous faites votre photo pour le dessin, vous pouvez prendre la photo, puis après la regarder comme ceci, la placer près de votre toile, et vous allez pouvoir faire votre dessin avec la photo. Là, il n'y a pas de problème, voyez. Mais je vais même le poser tiens, ici, voilà. Mais pour peindre après, il faudra le faire vraiment sur le motif avec ce qu'on a sous les yeux. Il y a aussi la peur du jugement, la peur, ça c'est une grosse peur, une crainte, que les gens qui passent regardent votre tableau et puis le critiquent. Alors, c'est sûr que bon, on peut trouver des endroits où il n'y a pas grand monde qui passe, mais il y aura toujours quelqu'un qui va passer. Généralement, les gens passent sans regarder ce qu'on fait, sans se soucier. Moi, j'attire peut-être un petit peu plus les curieux à cause des caméras, mais sinon, généralement, les gens nous laissent tranquilles. Mais ce qu'il faut se dire surtout, c'est que les autres ne sont pas peints. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peins quand même assez bien, on est d'accord. Mais quand je commence un tableau, quand je fais ma première couche, elle est horrible, c'est vraiment pas beau. Et c'est arrivé que des gens, ils regardaient ça, ils passaient, ils partaient, et je me suis dit, dans leur tête, ils doivent dire, oh mon Dieu, celui-là, il a du chemin à faire, et il faut qu'il apprenne un peu mieux à peindre. Vous voyez, comme quoi, le jugement des autres, il peut être aussi difficile pour le tout débutant que pour le plus chevronné, parce que la personne ne sait pas comment il va faire son tableau. Après ça, s'il repasse plus tard, qu'il voit le tableau fini, là, il va dire, ah ben oui, finalement, il était bon, ok, mais il passera peut-être plus jamais. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Les autres ne sont pas peintres, donc ils ne connaissent pas le processus sur la toile de toute manière. On applique la première couche, voilà. Vous savez, une première couche, c'est, on ne fait pas très attention trop là, mais des fois, ça peut arriver qu'une première couche, elle soit, waouh, tu sais, ah ben finalement, elle est bien, j'y touche plus. Et on ne met pas de deuxième couche, ça peut arriver. Quand on fait un paysage avec un ciel très petit comme ça, on n'a pas besoin de lui mettre, on va dire, de nuages, de détails ou autre. Il faut qu'il soit simple, très simple. Voilà, là on va faire la mer. Alors la mer est plus foncée. Ensuite de ça, il y a des craintes, des peurs par rapport au résultat sur le tableau, par rapport au travail qu'il va y avoir à faire. Il y en a beaucoup qui se disent « Oh, mais là, est-ce que je vais réussir à capturer les bonnes couleurs, les bonnes lumières, les ombres? Est-ce que je vais arriver à faire ça ?» Moi, je suis habitué à peindre d'après photo. Est-ce que je vais réussir ? Ben, sachez que ça sera toujours plus facile que d'après photo parce que sur vos photos, vous n'avez pas forcément les bonnes ombres, les bonnes lumières et les bonnes couleurs. Je vous donne un exemple ici sur le motif. Dans l'ombre de la barque, je vois très bien le relief du sable, les petites algues qui sont là. Sur une photo, je ne le verrai pas, ça sera devenu tout noir. C'est surexposé, sous-exposé. Donc, sur le motif, on voit mieux et on aura un meilleur résultat sur le tableau que si on peint d'après photo. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez que je peins vite. Hein. Vous pouvez faire ça aussi vite que moi hein, quand vous le faites. Là. Souvent, quand je donnais des cours en présentiel ou quand je peins comme ça devant des élèves, je fais de la démonstration, ils me disent « Moi, je ne peins pas aussi vite que toi. » C'est vrai, mais pourquoi ? La question est pourquoi vous ne peignez pas aussi vite que moi ? Ben, peut-être parce que vous voulez déjà que ce soit beau, vous voulez rajouter des choses. Hein? Peut-être que vous voulez déjà apporter des détails. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu de bleu ici, tiens. Plus ou moins volontairement, c'est pas grave, là, ça donne de l'intérêt. Et là, la première chose à faire maintenant, c'est de suite de placer l'ombre de la barque. On regarde notre sujet ici, voilà. Maintenant, l'ombre ne changera plus de place. Pour moi, si le soleil bouge, il peut bouger, je m'en fous. Hein? Ça va rester comme ça, voilà. Et je viens appliquer quelques touches pour les algues. On en a un petit peu par ici, un petit peu par là. Ensuite de ça, on peut craindre aussi la rapidité du changement qui se passe ici. Le soleil bouge, il peut arriver des nuages. Moi, j'ai déjà peint sous des ciels où il y a des nuages, soleil et nuages. Faut pas s'inquiéter de ça aussi parce que on va commencer notre tableau, on va suivre une méthode qui est de d'abord on fait une couche de fond, le dessin, la première couche, on installe à peu près les valeurs, les couleurs, tout ça. Puis après, quand on commence à placer nos ombres et lumières, on ne changera plus rien. La direction des ombres, on ne la bouge plus. On va pouvoir travailler
avec ce qu'on aura installé, on va juste l'affiner, rajouter les détails, mais sans rien changer. Il y a une méthode qui fait que c'est plus facile aussi de peindre dehors, lorsque même si la lumière change, c'est pas grave. N'oubliez pas une chose, c'est que la peinture en plein air ou sur le motif, n'oublions pas une chose, c'est que ça, c'est la méthode d'apprentissage de tous les peintres. Les grands maîtres, ils sont tous passés par là. Ils n'ont jamais peint d'après photo. Et c'est ce qui va vous rendre plus fort, qui va vous rendre meilleur en peinture. N'ayez pas peur. Vous voyez, j'entends, il y a du monde qui passe ici, là, et il y a des pélicans aussi. Ça ne dérange pas. Ce n'est pas parce que c'est un premier plan ici qu'il faut qu'on fasse du détail. Au contraire, un premier plan, on va le laisser bien flou parce qu'on va attirer l'attention du spectateur sur le bateau. Donc là, on s'échauffe encore. On va faire les feuillages ici, les herbages. Le temps que je peigne tout ça, regardez le ciel, il a déjà séché certainement. Il y a une autre crainte aussi. On peint en public, c'est pas vrai. On n'est pas sur une scène avec 50 personnes qui nous regardent. Ça, c'est faire de la démonstration. C'est pas la même chose. Ce ne sont que des passants. Ça n'est pas du public. Et il faut se dire que ces personnes-là, on ne les reverra jamais aussi. Hein. Bon, on s'en fout de ceux qui pensent. Alors, ce qu'on peut faire là, si on veut, pour mémoire, tiens, pour mémoire, on n'est pas dans le détail, mais on pourrait dire, ok, regarde, je vais tout de suite placer un banc. Alors là, c'est important, l'inclinaison, c'est quasiment horizontal, hein, ça s'en va comme ceci là. Puis un deuxième banc, voilà, c'est bon. On verra après, on va laisser un petit peu sécher. C'est le temps de prendre une petite collation, un petit truc à boire. C'est le temps de prendre une petite pause. Prendre des photos ici et là, mais on laisse passer un 15-20 minutes que ça sèche, que ça prenne un petit peu. Et avec le temps qu'il fait ici, il n'y a pas de problème, ça va sécher très très vite. Le soleil a un petit peu tourné, il fait très chaud maintenant, ben pas sur moi, ça va, il y a de l'air, mais les caméras sont noires, elles sont chaudes, donc j'ai enlevé ma casquette, je l'ai mise sur la caméra pour pas qu'elle se mette en sécurité, qu'elle s'arrête. Voilà, donc maintenant, ça n'a pas séché complètement, mais c'est recouvrable, on va dire, assez facilement. Donc on va commencer la deuxième couche, qu'est-ce qu'on fait la deuxième couche? On repeint pas tout, on ajoute. Qu'est-ce qu'il manque? On ajoute. Alors déjà, je vais prendre le petit pinceau, même le très petit, je vais commencer par le bateau, le sujet principal. Maintenant, je ne mets plus de diluant à peinture, je vais y aller seulement avec un petit peu de liquin. On va mettre des lumières dans le bateau. Les touristes sont là, mais on ne les peint pas. Ensuite de ça, une autre crainte aussi, c'est de choisir le bon sujet, le sujet intéressant. Moi, je vous dirais honnêtement, je suis sur la plage ici, là, il y a une douzaine de bateaux ici, une petite cabane, deux bateaux un sur l'autre, une petite maison ici, un poteau avec une pancarte, la petite barque qui est derrière moi, la mer, tout ça. Ici, j'ai un palmier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une quinzaine de sujets à peindre juste ici, vous voyez. Donc, l'important, c'est de choisir l'emplacement où vous serez bien, pas trop au soleil ou pas trop à l'ombre ou pas trop au vent ou autre. Et puis après ça, une fois que vous êtes installé, vous avez autour de vous, vous avez autour de vous des dizaines de sujets à peindre. Alors ne vous inquiétez pas pour ça. Une fois que vous êtes installé, vous regardez autour de vous. Ah, et là, vous allez tranquillement avec votre œil d'artiste, si vous voulez, ou trouver des petites choses. Et c'est pas toujours un grand paysage qu'on peut peindre, hein. C'est un petit coin de mur. Juste l'avant du bateau, hein, c'est ça. Il faut arriver à voir les choses avec nos yeux d'artiste. Et n'oubliez pas surtout une chose aussi, c'est que quoi que vous peignez, vous allez le simplifier. On ne va pas tout peindre parce qu'on y passerait trop de temps. C'est comme quand on peint après photo, on ne peint pas toute la photo. N'oubliez pas qu'on peint vite, on est sur le motif et on ne fait pas de détails. Donc c'est des petites touches, des petites touches. T'sais, on représente, on donne l'impression que c'est de la végétation. C'est bon? Pas plus que ça. Les rafales de vent commencent à augmenter. Ils n'ont pas honte d'être devant moi. Ça ne les dérange pas. C'est les Américains. Ok, allez. On va y aller plus à main levée, je pense, parce que quand je m'appuie, je fais confiance à mon appui, puis il lâche. Fait que voilà. Le tableau est presque terminé. Allez, on y va. On peint avec un très grand nombre de petites touches.
Voilà, bah, je pourrais dire le tableau est terminé. Hein, on peut dire ça, comme on peut aussi le vérifier, l'analyser, y repenser, puis apporter encore des améliorations. On arrive au 9e point, la préoccupation quant à la gestion du temps et à la productivité. On ne peint pas un tableau aujourd'hui, on peint une pochade. La différence, c'est ça, c'est que le tableau, vous allez le finaliser, le peaufiner. Ici, on peint vite. C'est un tableau brouillon qui pourra vous servir à faire un grand tableau plus tard, ou bien vous le gardez comme pochade. Il y a beaucoup d'artistes peintres, surtout des peintres américains qui peignent sur le motif, qui vendent leur pochade. Ça devient vraiment un exercice de peinture très, on va dire, prisé aussi, surtout par les autres artistes peintres. Ils s'achètent entre eux des pochades. Et moi-même, j'ai une pochade d'un artiste peintre américain que j'ai acheté et que j'ai encadré, qui est exposé chez moi. C'est pas parce que vous allez faire un tableau en une heure et demie, que ça n'a pas de valeur. Voilà, donc, c'est simple, c'est facile, c'est vite fait, parce qu'on fait vite. Maintenant, on peut dire le tableau est terminé. Est-ce que je le signe? Non, on le signera plus tard. On le signera quand on aura, qui sera sec, on l'aura regardé à la maison. Peut-être qu'on va pouvoir améliorer des petites choses encore à la maison après. Mais attention, il ne faut pas revenir à le ramener comme avec la photo à côté et peindre comme si c'était la photo. Parce que là, on va remettre les détails et tout. On n'aura plus cette atmosphère d'une peinture peinte sur le motif. Fait que le mieux encore, c'est de corriger tout de suite ce qu'on a à corriger. Si on veut améliorer, c'est maintenant qu'on va le faire. Par exemple, je vais prendre un petit peu du foncé ici. Je vais rajouter un petit peu d'ombre ici pour donner un peu plus de rondeur à la coque ici. Voilà, c'est tout. Vous voyez, des petits trucs comme ça. J'ai arrondi un peu la coque là-bas. On peut tout retoucher si on le souhaite, hein, mais sur le motif. Sur le motif, c'est pas d'après photo. On est très limité à ce moment-là. Il y avait un bois dans le bateau, je l'ai pas mis. Je pourrais le mettre. Hein. J'aimerais y rajouter un petit peu de petite bande plus marquée ici. Donc, je vais peut-être même y aller avec du plus pâle, comme ceci. Là, voilà. Alors attention, on n'est pas dans la lumière, c'est pas au soleil. Hein. Donc je vais le refoncer à nouveau. On va changer un peu la teinte. Voilà. Tiens, quelque chose. Regardez, ça ressemble plus à des reflets du soleil sur le sable à ce moment-là. Là, c'est intéressant. Voilà. Et on voit un petit peu plus les changements de teinte. Et là, la marque en bas, je vais la refaire encore un petit coup. Bien net ici. On pourrait mettre ce reflet plus pâle aussi. Là-haut, il y a un petit peu de foncé encore. Pas aussi. Plus bleu. Ah, vous voyez, il prend un peu de caractère. Voilà, un petit peu. Quand c'est trop beau, hop, on le défait un peu. Ça a l'air plus naturel. Ouais, j'aimerais ça le faire, le petit bois dedans. Allez, on va faire la poutre qui est à l'intérieur. On devient fou, là. Allez, on se laisse aller. Avez-vous peur? Moi, oui. Il faut que ce soit droit. Bah, bien que c'est un morceau de roseau, il n'est pas si droit que ça. Fait qu'on va le mettre comme ceci. Parce qu'il passe sur les bancs. C'est juste ça qui est intéressant. Voilà. Donc, là, j'ai mis la partie foncée, maintenant on va mettre la partie pâle. Ça, par exemple, c'est un truc que, vous voyez, on pourrait très bien, une fois que c'est sec chez nous, à la maison, améliorer juste ce morceau de bois, parce que, voilà, qu'est-ce que c'est qu'on améliore à la maison après avoir peint dehors? Il en faut toujours un petit peu, bien sûr. Ce qu'on améliore à la maison, c'est ce qu'on n'a pas pu faire dans le frais et qu'il faut attendre que ça sèche, comme par exemple des contrastes forts, des petits détails, des choses comme ça. Je ne saurais pas dire exactement depuis combien de temps je suis ici, mais honnêtement, je vous dirais, je pense que ça a été quand même assez rapide. Si vous craignez peut-être vraiment de le faire dehors, tout ça, que faites-le dans votre jardin, dans votre cour, sur votre terrasse, votre balcon, derrière votre fenêtre, peignez ce que vous avez dehors, voyez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je peins dehors un coucher de soleil.